En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je sous-signais Madame, Monsieur, né le. Demeurant, certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, cocher la case. Autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Deux points. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou de déplacement professionnel ne pouvant être différé. Déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurant autorisées. Liste sur gouvernement.fr. Liste sur gouvernement.fr. Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés. Consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Déplacement bref dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile lié soit à l'activité physique individuelle des personnes à l'exclusion de toute pratique sportive collective, à l'exclusion de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. Soit au besoin des animaux de compagnie. Convocation judiciaire ou administrative. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Fait à Marseille le 25 mars à 18h. Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement. Signature.